La frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne est en proie à de légers soubresauts depuis quelque temps. Les uns reprochant aux autres une violation des limites étatiques établies depuis l'époque coloniale. En vue donc de trouver une solution au litige frontalier, une délégation ivoirienne conduite par le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a eu une séance de travail dans la localité de Siranakoura en Guinée avec les autorités de la Guinée afin de plancher sur le litige frontalier qui secoue cette localité. Au cours des échanges, Damo Kanté, préfet de la région de Baïla en Guinée, a attesté que la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée datait de 1912 et s'étendait jusqu'au-delà du pont. Cependant, il est disposé à toute vérification à travers une évaluation cartographique de la zone par les autorités habilitées, ce qui réglera une fois pour toutes ce conflit frontalier. Lui emboîtant le pas, le général de brigade Gaoussou Soumaoro a affirmé avoir été mandaté pour s'enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. Le commandant des forces terrestres a indiqué que le rôle de l'armée serait plutôt la sécurisation de la frontière commune, des biens et des personnes, et que la délimitation des frontières relevait d'autres compétences. Il a donc adhéré à la proposition du préfet de Baïla. Cette journée de travail s'est achevée par une remise de matériel au chef de bataillon, Traoré Draman, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, par le commandant des forces terrestres, dans le souci d'accroître la capacité opérationnelle des troupes de la zone.